Oui. L'UP Seattle suit l'évolution et le développement du Bénin dans les autres pays, y compris l'Inde, comme vous le mentionnez. Et ici, l'UPSAN tient les leçons de ce qui est arrivé ailleurs pour avoir mieux réglementé le secteur. C'est comme ça qu'ils ont fait la boucle, qui est partie dans les temps et faire des choses dans les domaines de l'opérateur, ils sont capables de rester de la façon que de faire une inégalité autant que possible. Oui, par rapport à Bander, WhatsApp, etc., est-ce que vous avez WhatsApp, Viber, c'est une application que tout le monde, c'est qui s'est servi, évidemment, nous avons les tokens, tout ça. Et chez nous, le lancement de la 4G, c'est tout ça pris comme une beauté comparativement à les autres opérateurs, une belle. Ben, tout d'abord, bien content qu'il assume la responsabilité de ce ministère-là et qu'il me finisse dire l'objectif du gouvernement. Bien content qu'il me trouve un opérateur et suivre dans sa même vision-là et qu'il trouvait qu'ils ont dit une amélioration en termes de technologie, en termes de prix qu'il peut offrir à mon client. Récemment aussi, il est dans une chose télécom, qui est finale de sa direction-là. Et il est bien content qu'il est donc un partenaire de l'industrie. Il comprend mon message et qu'il ensemble, dans le mandat qui nous est dans, pour faire le secteur de la télécommunication et de l'informatique arrive à un autre niveau de développement et de progrès. Donc, on dit que ma priorité, c'est le gré market. Qui est toutes les routes fermées. Le gré market, comme on connaît, est dans le fraud tracking system qui met en place, mais qui malheureusement n'a pas fait le résultat qu'il disait. Donc, on dit qu'il peut revoir ce dossier-là. Et la mesure qui vous apprend à l'avenir, certainement. Et tu connais qui est un opérateur, tu comptes un peu ça frauding système qui peut causer là, qui cause arrive maintenant, tu tiens un peu compte aussi. Certainement, toujours, faire votre affaire en consultation et prenant votre consultation nécessaire avec mon partenaire de l'industrie. Nous venons travailler le câble, on connaît les investissements pour une connexion avec un troisième câble, énorme, qui coûte pas milliards. Et vos souhaits, c'est qu'il y ait autant de partenaires qui sont intéressés pour investir. Certainement, nous allons faire l'appel aujourd'hui, mais nous travaillons donc sur une modalité pour qu'éventuellement, on arrive à être connecté avec un troisième câble. Mais le mot qui veut dire que c'est un exercice, un processus qui peut prendre quand même pas mal de temps. Monsieur le ministre, bonjour, merci beaucoup pour une nouvelle question. Pour commencer, une annonce aujourd'hui, plusieurs nouvelles donc, en ce qui concerne la stratégie ICT du gouvernement. Nous posons l'OM Call Center pour le gouvernement. Est-ce que vous avez un peu plus de détails sur sa nouvelle qui a annoncé? L'objectif, c'est surtout tout bon citoyen qui a un bon problème, pour faire part de ce bon problème-là, pour qu'il soit capable de relayer à un département et un ministère et une institution qui est concernée et qui est un suivi aussi par rapport à ce problème-là et qui est un ministère et département qui est concerné là, ce institution-là, évidemment, les autres adressent ce problème-là et un citoyen donc ça gagne au moins soit une réponse ou une solution à nos problèmes. On peut aussi amener une facilité informatique à la portée des gens qui bénéficient de l'aide sociale. Vous pensez que c'est un manquement qui nous tient auparavant? C'est, disons, plus en termes de rendre le système plus efficient et amélioré, parce qu'il est là nous économiser les temps
Et surtout, qui tout bon affaire d'une plus précise, et bien citoyen, vous gagnez un service, vous avez dire, qui plus efficient. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il nous voulait qui servit technologie, donc pour faire le système bien encore plus au bénéfice de bons citoyens. Et monsieur le ministre, vous dites que le système cloud computing pour mon service du gouvernement, vous tenez dans le budget finalement sa création de bons smart cities, vous pensez que ce système-là du point de système idéal pour faire dans sa bonne smart city? Ben, effectivement, tout ça là, c'est ben l'avancement technologique et c'est ben outils qui nous voulaient nous aussi développer ici à Maurice. Et ça, workshop là, d'ailleurs, nous saluer l'initiative de SIL et de ORAC qui certainement pour permettre nous de faire des recommandations, des suggestions, des idées qui peuvent débattre et aide nous aussi pour nous capables de faire nos plans stratégiques pour l'avenir, pour l'objectif qui nous fixait faire l'île Maurice, éventuellement l'île Smart Island. Pour revenir au call center, quelles sont les dates d'appel à candidature et dates d'implémentation du call center en lui-même? Donc là, nous avons annoncé, nous avons le travail là. Donc le but de la target au niveau du time frame, vous avez déjà une idée? Nous avons le travail là parce qu'il y a une grosse consultation pour faire et surtout, nous avons fait la consultation avec les autres ministères, l'institution concernée. Nous prépare donc le système pour le mettre vite en place. Et là, éventuellement, évidemment, beaucoup viennent de l'avant quand il paraît pour faire une annonce publique. Tiens, tu dis dans ce système-là, mais il y a une bonne informatique parce qu'il y a du monde qui est capable de faire une complainte à travers ce portail, mais il y a du monde qui est dans le computer. Est-ce que vous pouvez une bonne dans mon ministère, dans mon. Le bureau de sécurité sociale, vous êtes capable de connecter les autres? Ben, l'idée, dans nos visions, pour qu'il nous fasse plus beaucoup de monde gagner accès à l'informatique et à nouvelles technologies. Et là, une initiative qui nous fait prendre, par exemple, pour nous mettre un Wi-Fi spot à travers l'île Maurice, dans plusieurs endroits, nous améliorons nos infrastructures locales et en même temps nous faire plus de pénétration de systèmes au niveau de l'Internet à ma famille mauricienne. Nous voulons aussi qu'il y ait dans certains centres de ma institution publique que du monde gagne accès à l'informatique et à l'Internet. Et donc tout ça là, il faut une partie d'un plan que nous voulons qui à la fin nous gagnons une smart people aussi, une smart population. Ça veut dire qu'ils ont servi l'informatique pour dans la vie de tous les jours, mais pas parce qu'ils ont servi l'informatique pour faire joli, mais surtout pour qu'ils améliorent la qualité de la vie et ils rendent la vie encore plus facile pour nos bons citoyens. Un petit mot sur les applications mobiles qui servent à téléphoner, envoyer des messages. Moi, je sais, comme par exemple dans son dernier conférence de presse, a expliqué que malgré le nombre d'internautes qui augmente, le chiffre d'affaires, les revenus baissent parce que justement beaucoup d'internautes utilisent ces applications-là. Pardon. Donc, d'un côté, on a donc des opérateurs qui parlent de baisse de revenus, de côté consommateurs qui parlent d'un service de gratuité pour eux. Quel est le point de vue du ministère là-dessus? Est-ce que le ministère va intervenir? Est-ce que Certainement pas, parce qu'il était. Ça me rappelle le progrès, l'avancement technologique, quand il y a une application qui peut développer et qui fait du monde économise en termes d'argent, mais disponible, donc il y a la portée de la population. Et me dire tant mieux pour la population. Vous avez évoqué hier justement le terme de net neutrality. Oui. Quel est votre point de vue là-dessus? Nous êtes. Justement, l'expérience de les autres pays qui passent par beaucoup de situations, côté de la développement technologique, côté de la problème aussi, et nous tirons le son de ça. Effectivement, nous venons de l'avant avec un règlement qui peut permettre une meilleure utilisation donc, de technologies pour me dire au bénéfice de la population et du pays. Neutralité du gouvernement sur Internet. Laisse-nous. Comment on peut dire, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives que nous pouvons prendre maintenant. Il y a beaucoup de choses
qui nous voulait inclure et qui nous voulait développer à Maurice. Évidemment, il y a une question de sécurité, il y a une question d'abus, il y a une question quand nous improthèses, quand nous donnons technologie, nous faisons technologie à la population, nous improthèses la population aussi. Parce qu'il ne fallait pas une mauvaise utilisation de technologie. Donc tout ça là, il demande à ce qu'il nous réfléchisse, nous discuter, nous gagne l'opinion de tous les partenaires, nous puise de l'expérience de ban pays qui nous fait une longue cimée dans ce domaine-là, pour qui, ici, nous aide, nous pas perdu les temps, deuxième, nous pas perdu l'argent, nous pas gaspiller les ressources, et troisième, nous, bien sûr, mettre un meilleur environnement pour l'avenir en termes de ce secteur-là. Merci. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour.